Salut à tous, après avoir vu comment fonctionnait le condensateur X sur un filtre EMI, nous allons voir à quoi sert l'inductance. Voici notre filtre EMI. Ici, on a l'entrée et là, on a la sortie. Et nous avions vu que le condensateur X est branché entre phase et neutre. Et là, on a deux inductances qui sont branchées en série, entre là et là, et entre là et là. Le condensateur X va court-circuiter les fréquences parasites et les deux inductances vont au contraire les freiner. Pour démontrer que l'inductance arrête bien les fréquences parasites, je vais faire une petite expérience. Donc, je vais brancher le générateur de fonction en série avec un ampèremètre et en série avec une bobine. Et je vais faire varier la fréquence entre 50 Hz et 1 kHz. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, bah là, j'ai branché ma bobine en série avec le générateur de fonction et l'ampèremètre. Bon, bah, je vais démarrer à 10 Hz et je vais monter jusqu'à 1 kHz. Donc, on a vu que plus on montait en fréquence et moins le courant passe. Voici la formule pour calculer la réactance inductive. Donc, c'est XL en ohms est égal à 2π FL. F, c'est en Hertz et la valeur de la bobine en Henry. Donc, pour conclure, à l'inverse du condensateur, plus la fréquence sera élevée et moins l'inductance laissera passer. Les fréquences parasites seront court-circuitées par le condensateur et seront freinées par l'inductance. Voici un autre filtre EMI que j'ai récupéré.